Payot. Et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture vous présente Marque Page. Louise Michel n'est pas qu'un nom, il y a toujours une personne et son histoire derrière ses actes. J'ai été transportée par cette lecture qui m'a fait découvrir qui était Louise Michel depuis sa plus tendre enfance jusqu'à la personne qu'elle est devenue. Enfant d'une fille-mère, un père qui refuse de la reconnaître, même pas née, Louise subit déjà les affres de sa basse condition sociale. Enfant, elle découvre l'injustice et écrit des pamphlets incroyables. Adolescente, elle découvre toujours les injustices diverses en fonction de la condition sociale, du sexe. Elle va se soulever à sa manière contre ça, elle va voler les riches pour donner aux pauvres, une sorte de Robin des Bois plutôt française. Et adulte, elle va faire les actes pour lesquels elle est surtout connue. On oublie régulièrement, et je trouve toujours bien de le rappeler, qu'elle a écrit des lettres remarquables à Victor Hugo. Carole Trébor est avant tout historienne de formation, mais elle est aussi autrice pour la jeunesse. Elle a écrit de nombreux romans. Ce titre, Louise Michel, est son deuxième de la collection Destin chez Albin Michel, qui nous fait découvrir des biographies romancées de personnages historiques. Son tout premier qu'elle avait écrit était sur Catherine Johnson, une mathématicienne qui avait travaillé sur la mission Apollo 11. Et avec ce titre, elle renoue sur ce genre qu'elle connaît si bien et avec lequel elle nous transporte toujours avec la même envie et même vivacité. Avec cette biographie romancée, on découvre qui était Louise Michel et aussi ses pensées intimes. Ça reste une biographie romancée, donc c'est ce qu'imagine Carole Trébor. Je pense qu'elle a excessivement bien réussi à se mettre dans la tête de Louise Michel, parce que c'est toujours, on connaît des noms, mais savoir qui sont ces personnes, ce qu'elles ont pu vivre, ça reste aussi une aide à la compréhension des actes et de la condition de l'époque. Et je vous souhaite une très très bonne lecture. Payot et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture vous ont présenté Marque Page.